La ministre de la Défense allemande ne tolérera pas des idées d'extrême droite dans l'armée. Ursula von der Leyen a réagi à l'affaire du soldat arrêté mercredi, suspecté de préparer un attentat. Cet homme de 28 ans servait pour l'armée allemande en France, près de Strasbourg. Il semblerait qu'il ait dressé une liste de personnes à éliminer, comme Anne Helm, cette jeune actrice, membre du parti pirate allemand. Et il voulait faire accuser les réfugiés. Mais l'histoire est encore plus incroyable. Le soldat menait une double vie. Il s'était fait enregistrer comme demandeur d'asile syrien. L'information que nous avons cependant, c'est qu'il ne parlait pas arabe, explique la procureure. Pourquoi personne ne l'a remarqué, je ne peux pas l'expliquer. On attend le résultat de l'enquête. En décembre 2015, le soldat s'était donc présenté comme un chrétien syrien, vendeur de fruits à Damas. Il a obtenu l'asile et une aide mensuelle de 400 euros.